Tiré par les cheveux, mais voilà, il y a eu un petit sursaut d'orgueil et un peu de prise de conscience des joueurs d'élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec une équipe qui était bien en place et qui jouait crânement sa chance. D'accord. Et alors maintenant, donc, le parcours à venir pour la Nice, ça va être quoi? Eh bien, on est quasiment mathématiquement maintenu. Là, l'idée, c'est de travailler pour la saison prochaine tout en essayant de faire de jouer les matchs les uns après les autres, évidemment. En essayant de gagner, là on va à Saint-Malo qui est premier, qui a un jeu qui est très établi, donc ça va être compliqué la semaine prochaine, mais on a des matchs jusqu'au mi-mai pour faire une transition sur la saison prochaine avec un groupe assez jeune et quelques anciens qui j'espère vont rester. Mais voilà, l'idée c'est de travailler avec une forme de sérénité puisqu'on est, on est maintenu à un point près, mais logiquement d'ici un match ou deux on est maintenu mathématiquement. D'accord. Quel est le moral de l'équipe alors, ici? Ce soir il y a eu des hauts et des bas, surtout des bas au début comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là il y a eu une petite rébellion et à la mi-temps il y a eu une prise de conscience et en deuxième mi-temps on a pu exploiter pleinement nos capacités même s'il y a eu encore pas mal de déchets, donc les joueurs sont plutôt dans une belle dynamique puisqu'on est à 5 victoires consécutives. Je vous parler techniques de handball parce que je ne connais rien, mais est-ce qu'au niveau mental le travail de l'entraîneur se passe comment alors? Pour les dynamiser, pour leur donner la gagne? Il s'agit avant tout de leur donner confiance, parce qu'ils étaient sur une dynamique un peu négative sur l'hiver. Entre janvier et février, à la reprise, il y a eu pas mal de défaites, et des défaites contre des équipes a priori plus faibles. Et donc il n'y avait plus trop de motivation intrinsèque des joueurs. Là, il y a eu un petit rebond qui s'est matérialisé avec des belles victoires, notamment contre le premier et le deuxième, la semaine passée, il y a deux semaines. Et voilà, il s'agit toujours de un peu leur botter les fesses, parce que si ce soir on leur aboie pas dessus sur le premier quart d'heure, on voit bien qu'on joue pas à 100% de nos capacités et on était largement mené, ce qui était complètement logique. Voilà. Donc l'entraîneur doit un peu jouer de faire fouettard de temps en temps. Ouais, je crois que c'est un peu ma qualité première, je crois que je passe mon temps à faire ça, mais bon, après l'idée c'est aussi nouer des liens avec les joueurs en fonction de leur profil, en fonction de ce qu'ils savent faire ou moins bien faire, les amener à apporter ce qu'ils peuvent faire individuellement en collectif. Mais voilà, après c'est toujours pareil, il y a des joueurs ce soir qui font un peu la tronche parce que ils ont été moins performants. Donc après ça se traite au cas par cas sur les séances d'entraînement pour les amener à être plus performants sur le match à venir. Comme on dit, on apprend plus de ses défaites que de ses victoires peut-être. C'est vrai, de ses contre-performances en tout cas, oui, c'est sûr qu'on peut se remettre plus facilement en question. Là, on était sur une belle dynamique, donc justement, on n'a pas trop eu cette remise en question qui nous a coûté cher sur le premier quart d'heure. Et vu qu'il y a eu un petit sursaut d'orgueil, on a eu la capacité de revenir, mais ça aurait pu être un schéma plus négatif pour nous, puisqu'on était un peu trop à l'aise et moins précis sur plein de secteurs du jeu. Quoi. Quand même, être optimiste pour l'avenir. Oui, même si c'est pas ma qualité première, dirait certains. Mais il y a un groupe qui est, comme je l'ai dit, assez jeune. Il y a 2-3 anciens qui apportent leur expérience. On va voir un peu comment se passe la fin de saison. Mais là, l'idée, c'est de se faire plaisir avant tout, d'enchaîner les matchs avec, si possible, le maximum de victoires pour remonter au classement. Parce que potentiellement, si je dis pas de bêtises, on peut revenir dans les 5 premiers si on enchaîne pas mal de victoires. Et ça laissera une bonne note sur cette année qui n'était pas forcément bien entamée. Je crois que le club de l'année était un petit peu descendu. Non, ça fait un petit moment qu'on est en National 2. On
était redescendu en N3 il y a 4-5 ans, on est remonté en National 2 avec l'entraîneur d'ailleurs de Saint-Malo qu'on va rencontrer la semaine prochaine, qui est parti là-bas, donc on connaît très bien, c'est un ancien joueur du club. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on est en National 2, alors il faut accepter les années Covid, mais ça fait un petit moment qu'on est installé à ce niveau-là, oui. Puis on l'avait été pendant un certain nombre d'années avant. Je peux vous dire bon avenir et puis peut-être une montée en National 1, c'est un projet qui doit se construire sur plusieurs années, mais pourquoi pas, oui. Merci à vous.